pour cette Paris Games Week, on a eu l'occasion de s'essayer au nouveau sniper Ghost Warrior, le troisième en l'occurrence. C'était une démo en gros d'une bonne vingtaine de minutes, ce qui est assez long mais suffisant pour avoir un bon premier aperçu du jeu. Ça, tout simplement, en gros, si je devais résumer un peu ce sniper Ghost Warrior 3, ce serait une espèce de Far Cry-like en vraiment beaucoup plus poussé au niveau de la simulation militaire. La mission consistait à détourner trois satellites sur une base militaire qui était basée sur le flanc d'une montagne, donc sur plusieurs étages. On commençait quasiment en plein milieu de la nuit, ou du moins, si c'est vrai, en plein milieu de la nuit, et on devait s'infiltrer donc dans la base en escaladant les grillages et en avançant à travers les gardes. Et pour ce faire, le but était globalement de massacrer, mais doucement, en faisant attention à ne pas se faire repérer, parce que c'est vraiment un jeu plutôt d'infiltration, contrairement à Far Cry qui nous offre vraiment deux choix possibles, l'infiltration et l'action bourrine. On peut y aller en action bourrine, mais dans Sniper Ghost Warrior, mais c'est pas le but. L'arme principale, comme vous l'aurez deviné, c'est le sniper, avec le silencieux. Et ce qu'on peut dire déjà d'office, c'est que voilà, chaque coup tiré est vraiment hyper puissant, hyper impactant. On sent vraiment le recul de l'arme, et voilà, quand je dis que c'est un Far Cry, c'est qu'en gros, ça consiste un peu dans la même manière de faire, c'est-à-dire qu'on vise les ennemis, on les marque, comme ça on peut suivre leur déplacement sur la map. Globalement, c'est vraiment le même fonctionnement et tout, sauf que c'est vraiment beaucoup plus lourd dans le déplacement du personnage, plus réaliste. On peut vraiment s'allonger, se mettre accroupi, on peut faire des glissades, être furtif. Quand on s'agrippe à une barrière, à un grillage, on peut, avant d'escalader le grillage, juste jeter un coup d'œil, voir s'il y a quelqu'un qui nous regarde, etc. Voilà, donc c'est assez poussé à ce niveau-là. Et c'est assez sympa en fait, je trouve ça assez réaliste et en même temps pas du tout lourd, enfin lourd, chiant en tout cas à jouer. Chaque kill est vraiment puissant, c'est assez réfléchi dans la manière de faire, etc. C'est pas quelque chose d'hyper novateur du tout, mais je trouve que c'est vraiment bien fini, le jeu en plus de ça est très beau, il n'y a pas à dire. Donc une fois qu'en fait on avait détourné les trois satellites, sachant qu'au bout du deuxième satellite, nous confronter un petit peu d'action parce qu'il y avait un petit retournement de situation, un mini gunfight où du coup ça t'oblige à sortir la mitrailleuse et tout. Et même là, tu sens vraiment que c'est une bonne grosse gunfight assez sèche, assez courte mais assez sèche, quoi, assez réaliste. Et donc une fois qu'on avait détourné ces trois trucs-là, ces trois satellites, on devait s'extirper de la zone pour terminer la mission. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un open world en fait, tout à fait un peu à la Far Cry, donc dans des montagnes. Pas tout à fait une jungle mais quasiment, donc j'ai eu l'occasion de me balader un petit peu après la mission, donc j'ai traversé tout à fait par hasard une église qui était où la nature avait repris ses droits à l'intérieur. C'était super joli du coup, avec les vitraux qui illuminaient et puis toute la végétation qui était à l'intérieur, super sympa. Il n'y avait rien à faire parce que c'était qu'une démo je pense, mais c'était assez cool et ça montrait un petit peu en tout cas l'étendue de l'univers qui s'avère assez stylé. Encore une fois, c'est pas un jeu qui a l'air ultra novateur, mais il a l'air bien perfectionné. C'est agréable à jouer, et du coup j'attends d'en voir plus. Je pense que ça peut être super sympa, il a l'air de pousser un peu l'infiltration et le sniper, pas à son paroxysme, mais en tout cas de faire très bien les choses. Merci bébé.